Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre émission séquence rugby. Gilbert et moi-même allons vous parler de ce match qui s'est joué vendredi soir à Biarritz et qui a vu les Biarrons remporter ce match face au Valence Roman Drôme Rugby. Gilbert, c'est un petit peu la soupe à la grimace aujourd'hui, hein? Oui, effectivement, la soupe à la grimace au niveau du Valence Roman Drôme Rugby, puisque qui plus est, le Biarritz Olympique obtient le bonus offensif, ce qui les met exactement au même nombre de points au classement que le Valence Roman Drôme Rugby et que Angoulême. En sachant que tous les clubs qui luttent pour le maintien ont tous gagné sauf le VRDR. Donc aujourd'hui, ça ne fait pas du tout l'affaire du Valence Roman Drôme Rugby. Alors Gilbert, qu'est-ce qui se passe pour le Valence Roman Drôme Rugby en ce moment? Et notamment, enfin ce n'est pas qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? On n'arrive pas à gagner, hein. Des manques de repères peut-être, et comme on va le voir sur le résumé, trop d'indiscipline, des ballons perdus sur des touches, donc derrière ça fait des bases, des rampes de lancement pour les adversaires. Et avec une équipe comme le Biarritz Olympique au complet, comme on l'a vu vendredi soir, ça devient très compliqué de gagner avec ce cinglant 28-3 en deuxième mi-temps pour Biarritz. Oui, alors je trouve en tous les cas qu'il y a deux VRDR, il y a un VRDR qui sait gagner à la maison, un VRDR qui perd à l'extérieur, et pourtant tout avait bien commencé pour le Valence Roman Drôme Rugby, puisqu'ils inscrivent un premier essai transformé. On aurait dit qu'il surfait un petit peu sur la vague de la victoire face à Vannes vendredi passé, mais on sent que ça ne tient pas en seconde mi-temps, on s'effondre. Mais tout à fait, en première mi-temps, on a tourné avec un score d'équité, 10 partout. Hein. Le VRDR tenait la dragée haute à cette équipe biarrotte. Et derrière, en deuxième mi-temps, en l'espace de 20 minutes, le VRDR s'est effondré. Et derrière, c'est 4 essais marqués par le Biarritz Olympique, ce qui leur donne le bonus offensif et qui nous met dans une situation aujourd'hui à égalité en position de barragiste. Allez, je te propose, Gilbert, chers téléspectateurs, de regarder ce résumé avec des images de Canal+. A tout de suite. Allez, les 30 acteurs rentrent dans ce stade d'Aguilera, assez motivé Gilbert, et tout part bien pour les Damiers, puisque à la 11e minute, Boli part sur le petit côté, après une course, sert Marco Peña, qui s'en va marquer le premier essai de ce match. Hein. Ouais, sur une touche gagnée, la combinaison où Boli part sur le petit côté, fait une fin de passe et peut servir Marco Peña, qui s'en va en terre promise pour ouvrir le score de cette rencontre. La transformation sera réalisée par Mireille. Ouais, on voit 6 minutes plus tard un carton jaune pour Wurtz. Le VRDR se retrouve en infériorité numérique et on joue la 35e minute. Et c'est le réveil de Biarritz qui marque son premier essai par Motoc. Oui, encore un mouvement suite à ce ballon gagné en touche. Et derrière, les joueurs qui jouent grand côté, et qui, après plusieurs successions de plaquages, arrivent à servir Motoc qui s'en va marquer en force ce premier essai biarro. Voilà, c'est juste après la mi-temps que Biarritz enfonce un petit peu le clou par cet essai de Motoc à la 42e minute, Gilbert. Oui, encore une fois Motoc là bien en soutien là sur un beau mouvement où on alterne avec du jeu au large et du jeu au ras, et c'est un retour intérieur, et derrière c'est le numéro 11 qui peut servir Motoc qui s'en va de nouveau aplatir un essai pour le Biarritz Olympique. À la 46e minute, par une touche gagnée sur un lancer d'Amier, les Biarros s'en vont inscrire un troisième essai par Jonas qui gonfle le score par 24-13. Hein. Mais derrière Jonathan Joseph là, qui arrive à casser ce premier plaquage et qui peut servir Jonas et qui s'en va aplatir un essai supplémentaire qui donnera un net avantage au Biarritz Olympique dans cette rencontre. Vargas prend un carton jaune à la 55e minute, et 2 minutes plus tard, les Biarros inscrivent un nouvel essai par Sauveterre qui prennent alors le bonus offensif. Sur cette touche, le mol se crée et derrière, avec le soutien de quelques trois quarts, les avants continuent de progresser et c'est Sauveterre dans un trou de souris qui s'en va marquer cet essai pour le bonus offensif du Biarritz Olympique. Voilà, on joue la 64e minute de jeu et Biarritz a inscrit son 5e essai par Martin après ce superbe mouvement collectif. Oui, toujours Joseph qui derrière arrive à casser le premier plaquage et les passes après contact. Et c'est Martin qui
Servante improvise et consolide ce bonus offensif et qui clôturera le score de cette rencontre. Le Biarritz Olympique a obtenu une belle revanche contre le Valence Romand Grand Rugby. Voilà donc ce résumé de match et cette défaite du VRDR qui fait mal, hein, Gilbert, je le rappelle. Et puis tu l'as souligné en première mi-temps, effectivement les équipes qui sont à la traîne sont en train de rattraper le Valence Romandrome Rugby, puisqu'il y a, comme tu l'as souligné tout à l'heure, des victoires. On a noté, et puis on le voit, hein, dans ce résumé, deux cartons jaunes quand même, qui ont su être profitables d'une certaine manière à Biarritz, qui ont scoré derrière. Comment remettre un petit peu de l'ordre finalement et de la discipline dans cette équipe sur les matchs prochains, Gilbert? Alors ça, après, ça sera le boulot de Fabien Fortassin et de tout le staff, hein, de remettre de l'ordre justement et d'essayer de gommer toutes ces fautes et toutes ces imprécisions, puisque comme vous avez pu le voir dans le résumé, les ballons perdus en touche, comme je le disais juste en introduction, derrière ces cartons jaunes, et on ne peut pas lutter face à des écuries comme le Biarritz Olympique. Le Biarritz Olympique a eu sa revanche donc face au Valence Romand Grand Rugby, et aujourd'hui il va falloir sincèrement qu'il sonne la révolte. Parce que vendredi, il y a la réception de Grenoble, le voisin grenoblois, et on sait qu'ils seront revanchards puisqu'ils ont perdu à domicile contre Dax vendredi dernier. Oui, une défaite effectivement grenobloise. J'imagine qu'ils vont venir ici avec des intentions de gagner. Hein. On se souvient qu'ils ont eu des sanctions administratives en début de saison, et aujourd'hui, on les sent quand même mieux surfer sur la vague. Mais attention à cette révolte, attention à cette revanche d'une certaine manière. Vendredi soir prochain au stade Georges Pompidou, en effet, Gilbert. Hein. Il va falloir vraiment se réveiller et battre cette équipe grenobloise, hein, parce que derrière, il y aura un déplacement à Rouen. Donc Rouen, on sait qu'ils ont marqué, les esprits, puisqu'ils ont battu Nevers à domicile ce vendredi avec le bonus offensif. Donc ils reviennent à grands pas sur les trois équipes qui les précèdent, donc Angoulême, Biarritz et le VRDR. Donc on n'a plus droit au faux pas, donc il va vraiment falloir que le VRDR se réveille et nous ramène une belle victoire contre ces grenoblois. On n'est pas encore à la fin du championnat, Gilbert, mais rappelle-nous peut-être un petit peu la règle des descentes pour les équipes de Pro D2 avec la montée des équipes de National. Comment ça se passe? Quelle chance pour le VRDR aussi de pouvoir être maintenu finalement dans ce championnat de Pro D2? Donc on sait que le dernier est relégué automatiquement en National, pardon, et c'est l'avant-dernier qui jouera un barrage contre le finaliste du championnat de France de National. Donc ça va être très compliqué d'aller gagner à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tel que se dessine ce championnat de National, et il va falloir aller se déplacer dans des clubs comme Nice, comme Narbonne. Donc je pense que ça va être extrêmement difficile. Donc il faut vraiment s'éloigner de cette place de barragiste et marquer des points de façon à ne pas être obligé d'attendre la fin du championnat pour affirmer ou non le maintien. D'autant qu'on a fait un très très bon début de saison, hein. On l'a souligné lors des émissions précédentes, avec un VRDR qui a quand même su gagner en début de saison ici sur ses terres au stade Georges Pompidou. Donc ces acquis, d'une certaine manière, il faut les conserver, voire les consolider, Gilbert. Hein. Il va falloir les consolider, et puis on sait que ce championnat de Pro D2 est très homogène, hein, puisque entre le VRDR, Angoulême et Biarritz qui ont 30 points, de tête le 7e et à que 39 points. Donc on sent que c'est vraiment, ça peut se jouer à peu de choses, ce championnat. Alors je ne vois pas comment aujourd'hui le Valence Romand Grand Rugby pourrait encore se qualifier avec les résultats qu'on a, mais pourquoi pas y croire, s'accrocher. Mais il va falloir aller chercher des points à l'extérieur, et ça commencera par déjà une victoire contre Grenoble ce vendredi et une victoire à l'extérieur à Rouen. Voilà, donc cette page Pro D2, on va la clôturer. Gilbert, le RCAV, des nouvelles un petit peu de la bande à Marc Reynaud? Donc oui, le RCAV qui la semaine dernière ont perdu de peu de points, hein, puisqu'ils ont perdu 9 à 3. On espérait qu'ils nous ramènent une victoire de Mâcon, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, ils se déplacent au stade métropolitain. Donc j'espère que le RCO Bonaval pourra nous ramener une magnifique victoire, hein, parce qu'aujourd'hui, ils sont sortis des clubs qualifiés, puisqu'ils sont 7e dans cette poule de National 2. Et il faut continuer à y croire et à travailler de façon à obtenir une qualification pour cette équipe ardéchoise. Merci Gilbert. Chers téléspectateurs, en tous les cas, venez nombreux vendredi prochain pour ce derby, hein, entre le VRDR et Grenoble. En attendant, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Gilbert. Salut, à la semaine prochaine. Merci.